Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'informations classifiées. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Le 1. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Ça, c'est toujours la question la plus dure. Mettons... Merde. Avertissement, données corrompues. Quoi? Ah merde. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique pré-militaire. Vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance. Vous avez passé une enfance différente. Au gré de leur message. Trace de vos parents vous engageant dans l'armée. Jamais je serai un colon. Confirmez votre profil psychologique. Tandis que vous occupiez cela avait été. Alors, je suis un héros. Oui. Confirmez votre spécialisation militaire. Bon, alors, ça, c'est de la merde. J'ai testé juste avant, c'était du caca. Confirmez votre identification faciale. On va faire une blague. C'est un peu dégueulasse. Reconstitution de profil terminée. Quoi, tâche Shepard? Non. Allez, va Confirmez votre historique militaire. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Oh les bâtards. Avertissement, données corrompues. Oh, mais cassez-vous. Est-ce que je vais avoir ma Renoir? Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique pré-militaire. C'est quoi ces couleurs de sourcils? Mais j'ai une rousse. Confirmez votre profil psychologique. Confirmez votre spécialisation militaire. Confirmez votre identification faciale. Ta gueule pour le nez, je m'en fous. Il faut vous respecter, hein.
Putain, mais regarde devant toi. Parfait. Reconstitution de Ta profil mère, je sais terminée. pas, de Stellaire. Identification Allez. Oh confirmée. putain. Niveau subto, non, et de la visée. On va te faire foutre. Le talent du commando. Ouais, sous-titres, oui. Sauvegarde auto, oui. C'est parti. Et Shepard, c'est une stellaire, non? Elle a passé toute sa vie dans l'espace. Ses deux parents étaient dans l'armée. Elle a ça dans le sang. Elle a causé la mort de presque toute son unité sur Torfan. Quoi? Elle fait le boulot qu'on lui demande de faire, quel qu'en soit le prix. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personne? Si tout ça quelqu'un peut parce le que je faire, suis noir. C'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. Ouais. En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation de spationautes. Cet artefact mystérieux offrait soudainement à l'espèce humaine de nouvelles technologies prodigieuses qui mettaient l'espace lointain à sa portée. À la base de cette technologie, une force capable de modifier le continuum espace-temps. Une force qui a changé à jamais le visage. Joker. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. Le Normandie. Bon, je vous laisserai choisir dans le futur Stropole de Kevin du 80 qui va faire là sur le Chan si vous voulez que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur. Ok, navigation ok, puis thermique interne activé, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Pas mal, votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment, donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le Conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle, mais cette mission, je la sens mal. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. Bim! J'ai un sixième sens. Et puis on ne va pas quelque part sans raison. Joker, au rapport. Joker. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Ah. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? J'y vais. Ouais, vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil? Mais c'est parce que tu parles de trop. Seulement quand il te parle, Joker.
viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un... Tandis sur Eden Prime 2. Les spectres qui viennent ici font pas par plaisir. À mon avis, Nihlus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Range ton arme. Commandant Shepard, vous êtes seul? Non, tant mieux. Ils sont deux derrière moi. Je dois vous parler. Parler? Me parler de quoi? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons. On dit que c'est un monde magnifique. Et? Je suis un soldat, pas un touriste. Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard. Et vous le savez, c'est un symbole pour tout votre peuple. Un monde paradisiaque aux frontières de votre territoire. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Ouais. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ouais, dis-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. Moi, inexpérimenté. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Vas-y, déshabille-toi. Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-goutte. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise d'origine protéenne. Bon. Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. C'est pour que vous puissiez connaître leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Il faut s'attendre à des ennuis? Toujours. Ouh. Ce n'est pas tout, Shepard. Nihlus n'est pas seulement là pour la balise. Nihlus. Il est aussi venu vous évaluer. Oh, quel bloc de merde. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. J'ai lu les rapports sur Torfan. Impressionnant. C'était une sale affaire, mais vous avez fait du bon boulot. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Dites-moi ce que je dois faire. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Merci, Nihlus. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nihlus vous accompagnera en tant qu'observateur. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. Ah non, elle va pas monter. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. S'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal.
Retour arrière, arrêt à 38.5. Une mâche géante. Situation ? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Pourquoi ? Pourquoi faire, monsieur ? Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Ah, vous partez en mission, quoi, commandant. Vous savez, je suis la seule femme. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Vélus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. À vos ordres, chef. Shepard, ouais, elle a pas de main. Bonne chance. Donne-moi ta main. En approche de la zone de débarquement bêta. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. Qu'est-ce que c'est ? Bordel ! C'est quoi pour recharger ? Ah putain, c'est vrai qu'on recharge pas dans ce jeu-là. Vous pouvez voir que le jeu a très mal vieilli. Putain, j'ai un trou de balle. Caméra est dégueulasse. C'est pas vrai. C'est quoi cette boucherie? Scène de combat en approche. Charme. J'ai des options de charme. Oh non. C'est tout, c'est bon. J'ai pas besoin de... Tu vas nous mettre des bavards derrière. Non ! Ça l'a transpercé de partout.
t'arrive, t'es à moitié transparent. On joue RP, hein. Laissez-le. Il faut finir la mission. À vos ordres, chef. Je suis impitoyable, hein, je répète. Sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. Ça okay. Sent la fumée et la mort. Oui. Ok, c'est... Moi je cours vite en même temps. Périmètre nettoyé. Oh. Je te veux dans mon équipe. T'es dans la merde. Sauf qu'on est juste derrière toi. Aidez-moi mon snipe. C'est où déjà qu'on va voir les... Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le plus haut gradé ? Ne me porte pas. Je veux un rapport de situation, tout de suite. Ouais. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Vous avez une idée sur la nature de l'ennemi ? Je crois que c'est des guettes. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Il y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien compris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Oh, oh, oh. En route. En route. Pièce sur proche. Ça, je peux pas les dégager, c'est ça, non. C'est d'ailleurs un strike, ouais, il fait plus de dégâts. Oh. Hop.
Ok, ça se passe. Ah, ça va être beaucoup mieux. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Ah, je... On joue RP ou pas ? Ouais. En route. Williams, où se trouve le campement ? C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Ah putain, mais c'est où ta grand-mère? C'est là-bas. What? Identifiez vos cibles. Il peut y avoir des civils. Putain, c'est où? On se croyait en sécurité ici. Et puis les guettes sont arrivés. Ah, map de merde, map de merde, map de merde. Est-ce que la flèche indique le nord ou est-ce qu'elle indique l'objectif ? Ah, oh, ça me casse les couilles. Cours ! Est-ce que je vais au moins au bon endroit? Est-ce que je l'ai passé ça ou pas? Ah oui. Ah mais allez vous faire foutre. Ok. 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 De la première VOD, elle aurait été géniale. Donc n'hésitez pas à mettre pouce bleu pour faire des dons sur mon compte Tipeee, ta mère Shepard. Voilà. Musique est plutôt pas mal. On va laisser te faire un peu peur, il n'y a pas à avoir peur. Mais... Ok. Tu fais. Je dirais que le camp de recherche a été salement touché. Oh. Oh. Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les guides leur ont fait ? What ?
Voilà. Ah. Ah. Maintenant, on sait à quoi servent ces pics. Ils utilisent nos propres morts contre nous.